De John C. Maxwell, et aujourd'hui, le postier va nous conduire dans la découverte d'une loi des 17 du livre, tirée du livre Les 17 qualités essentielles d'un joueur d'équipe. Est-ce que vous êtes un joueur d'équipe? Qu'est-ce qui fait de vous le joueur d'équipe que vous êtes? On en parlera dans la deuxième partie de cette édition. Ce sera quand il sera exactement, je crois, 21h, enfin 20h, et passé de 30 minutes par là. Donc, dans le chat room, ça a un peu bougé. Je suis à Bonga, au Cameroun. Tout va bien ici. Oui, bien. Je suis très heureux de savoir que Bonga se porte très bien aujourd'hui. Ça vient de Coach Popé, Coach Josiane. Très froid en France. Bah, nous sommes désolés pour vous parce qu'il fait énormément chaud ici au Cameroun. Désolé. Mais bon, ça va. Parfois, j'aime quand il fait froid. Parfois, pas tous les temps. Douala Cameroun, tout va bien. C'est le coach Kwaib, qui est à Douala comme moi, la capitale économique du Cameroun, où je me trouve exactement en ce moment. Il fait beau temps, il fait pas très chaud, il fait pas froid, il fait un temps clément. Et on va rentrer dans la première partie, okay, de Rita. Dieu fait grâce, Amen. Ouais, coach Rita, Dieu fait grâce. Nous sommes très heureux de savoir que vous vous portez bien et bien évidemment. Nous vous disons bonsoir également à tous les coachs connectés ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On va donc commencer à partager sur la vision Ali Global. C'est la question qu'on pose chaque jour. C'est quoi Ali Global? Que fait Ali Global? Et encore, même pendant le webinaire, beaucoup ont posé la question de savoir c'était quoi Ali Global. Et naturellement, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question très rapidement. C'est quoi exactement Ali Global? On va essayer de découvrir. Oula. On va essayer de grâce, est-ce qu'on peut. Pardon, est-ce qu'on peut arrêter les micros pour ne pas perturber la séance? Merci. Donc, on va essayer très rapidement de voir ce que signifie Ali Global. Très rapidement, je pense que ce sera fait dans un instant. Ouais. Donc, si vous pouvez voir mon écran. Si vous parvenez à voir mon écran, s'il vous plaît, le coach, faites-moi signe. Est-ce que mon écran est visible de tous? Oui. Super, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette session. On va donc commencer, alors qu'il est exactement 20h, passé de 10 minutes, on va commencer à parler de Ali Global. Bienvenue dans l'univers Ali Global. On va très rapidement expliquer ce que Ali Global représente. Donc, voici l'univers Ali Global, les très chers coachs. On a au sein de cette magnifique organisation plusieurs démembrements. On a d'abord la Ali Global Training Center, on a la Ali Global Youth, Ali Global, enfin, École des affaires Ali Global, l'École des coachs Ali Global, la Ali Global Exchange. La Dispensation Investment Group, qui est également une entreprise de Ali Global. On va commencer rapidement avec la Ali Global School of Training, donc la Ali Global Training Center. Comme son nom l'indique, la Ali Global Training Center, c'est l'école de formation de Ali Global. Et avec Ali Global Training Center et Ali Global Youth, Ali Global, dans sa globalité, tente de participer, bien évidemment, dans l'amélioration du système éducatif sur le continent africain. Et donc, que ce soit avec son centre de formation ou alors avec le centre de formation pour les jeunes, l'organisation Ali Global essaie un tout petit peu de refaire à sa façon de contribuer à sa façon à la réflexion du système éducatif sur le continent. Hein, sur le continent. Un système éducatif qui, jusqu'ici, a quand même participé à former plusieurs jeunes camerounais,
Mais à la fin de la journée, des Camerounais qui ne réussissent, qui, enfin, plusieurs jeunes Africains qui, à la fin de la journée, n'arrivent toujours pas à avoir un travail décent, sont toujours, enfin, influencés par ce qu'on appelait aujourd'hui le sous-emploi et le mauvais emploi. D'ailleurs, l'Organisation internationale du travail, l'OIT pour l'Afrique, dans son rapport rendu public en fin 2022, c'était en novembre 2022, indiquait que près de 60% des jeunes travailleurs sur le continent sont sous-employés et mal payés. Pourquoi? À cause forcément de la qualité de la formation. Et bien évidemment, Ali Global Training Center aujourd'hui tente quand même à résoudre ce problème. Comment résoudre ce problème? D'abord, en travaillant pour niveler le niveau d'éducation sur le continent. Le réel problème qui se passe avec l'éducation en général sur le continent aujourd'hui, c'est d'abord la qualité de l'éducation. Et quand je parle de la qualité de l'éducation, je parle surtout du contenu du programme, du contenu de nos programmes scolaires. Comment comprendre qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on continue à enseigner aux jeunes Camerounais, je vais parler pour le Cameroun. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on continue d'enseigner en géographie aux jeunes Camerounais à partir de la classe de quatrième? On leur enseigne la géographie des pays de la Scandinavie, des pays de l'Europe de l'Est. Ça n'a rien à voir avec leur histoire, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Mais bon, quand on aura donc fini d'avoir un master en fait géographie, qu'est-ce qu'on pourra faire? Bien qu'on soit éduqué, bien qu'on soit intellectuel. Naturellement, on sera un chômeur patenté. Donc, c'est le programme des enseignements sur le continent qui fait problème. Et donc, Ali Global compte un tout petit peu par le biais justement de la Ali Global Training Center apporter quelques éléments de solution. D'abord, en faisant venir sur le continent, intervenant sur le continent à partir de leur pays d'origine, des facilitateurs multi-horizons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on facilite la collaboration, la coexistence, la collaboration et puis la collaboration entre les jeunes restés sur le continent et d'autres qui sont partis chercher les brevets ailleurs. Donc aujourd'hui, les facilitations à Ali Global se font par des intellectuels chevronnés à partir de l'Europe, à partir des États-Unis. Ils peuvent être des blancs, entre guillemets, ils peuvent être des noirs, entre guillemets, mais ici, c'est la connaissance qui intéresse. Donc on essaye un peu on essaye un peu de collaborer de rendre cette collaboration possible entre les jeunes qui étudient sur le continent et les expérimentés qui sont hors continent pour permettre aux jeunes sur le continent de pouvoir avoir des contenus en termes d'éducation qui peuvent challenger ou en tout cas être au niveau des jeunes qui ont étudié sur le continent européen et américain. Et ça se fait à partir d'ici. Et comment vous allez me demander? Bien évidemment, à partir des cours sur leur plateforme, à partir du téléenseignement. On a aujourd'hui beaucoup parlé du téléétude, du téléenseignement, au moment où le monde est en train de devenir un petit village planétaire par le biais de la mondialisation. On n'est finalement plus obligé de quitter le Cameroun pour aller étudier aux États-Unis. Ce n'est plus l'unique opportunité. On peut rester au Cameroun et étudier aux États-Unis via le téléenseignement. Ça se fait donc. C'est exactement la stratégie que Ali Global est en train de mettre sur pied, naturellement, avec ses cours via les plateformes de e-learning. À partir de là, on donne la possibilité aux jeunes sur le continent de pouvoir avoir des certifications nord-américaines et avoir la possibilité d'exporter leurs compétences sur le plan international. C'est un fait. Et je pense que ça aide quand même à l'employabilité des jeunes sur le continent. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'inadéquation entre la formation théorique et la pratique en entreprise. Et bien évidemment, Ali Global s'attelle et se déploie au quotidien justement pour résoudre ce problème en permettant aux jeunes qui sont formés de pouvoir avoir des stages académiques dans des entreprises, enfin, je veux dire des stages académiques et professionnels dans les entreprises pour pouvoir justement allier théorie et pratique et ne pas seulement avoir la théorie et être orphelin de la pratique. De l'autre côté aussi, il y a les programmes de mobilité parce que forcément, ça permet aux jeunes de découvrir comment ça se passe ailleurs, comment les jeunes français, comment les jeunes américains se comportent, comment ça se passe là-bas. Ça encourage l'entrepreneuriat jeune également et surtout 80% de développement personnel.
internationale parce que forcément, on a compris et non sans raison que le réel problème de la jeunesse et des jeunes, et même pas seulement des jeunes, le réel problème sur le continent aujourd'hui, c'est qu'on a un réel problème avec notre développement personnel, avec notre niveau de leadership qui est forcément lié à notre développement personnel. Il est temps de penser à ça et je pense qu'on a énormément pensé à ça et on a intégré ces cours dans nos formations, ce qui fait qu'on ne forme pas seulement des savants, des personnes qui peuvent réciter des connaissances, mais on forme aussi des hommes dans le sens holistique du thème, des hommes qui maîtrisent leur être, qui peuvent maîtriser leurs besoins, qui peuvent comprendre leur personnalité, qui peuvent, je veux dire ça comment, qui peuvent analyser et comprendre leur personnalité, et donc qui peuvent se comprendre eux-mêmes, comprendre leur environnement et s'imposer dans leur environnement. Et c'est de ça qu'on est réellement fier parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il ne fallait pas seulement former les gens pour l'éducation, entre guillemets, il fallait aussi former l'homme pour la vie. Et je pense que c'est ce que Adi Global Training Center se déploie justement à faire à travers le monde. Et je pense que le dernier point, c'est un point très important, l'employabilité. On est toujours en sécurité quand on sait qu'on est en train d'étudier pour être employé. Et c'est un peu, et c'est pour ça aussi que les nations africaines, les jeunes Africains préfèrent la fonction publique parce que quand tu as ce matricule, il reste là pour toujours. Donc, la stabilité, ça va aussi qu'on a la certitude d'avoir un emploi après la formation. C'est pas rien sur le continent quand on sait qu'il y a plusieurs jeunes diplômés et même des hauts diplômés qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Je ne parle même pas d'un emploi décent, mais qui n'arrive même pas encore à avoir un emploi. Donc, le facteur employabilité est un facteur très important dans ce qu'on est en train de déployer aujourd'hui au Training Center. Et je pense qu'après moi, la coach Gladys viendra nous dire à quel niveau se trouve le Training Center actuellement, aujourd'hui, à quel niveau se trouvent les enregistrements, les inscriptions, j'ai envie de dire, et à quel niveau se trouve le Training Center dans son niveau de déploiement sur le terrain aujourd'hui. Elle nous dira un mot. Ce sera dans quelques minutes le temps justement de prendre une autre école, et cette fois-là, on parlera toujours de Harry Global Solutions dans l'amélioration du système éducatif sur le continent. On a parlé de Harry Global Youth. Ici, ça permet aux jeunes, justement, de pouvoir développer leur intelligence émotionnelle, premièrement, de pouvoir travailler le côté excellence, parce que rarement, on a vu chez les jeunes de 6 ans, chez les jeunes de 7 ans, cultiver l'esprit d'excellence, savoir qu'on peut être bon, qu'on peut être excellent, que ce qu'on veut être, on peut l'être. Dans le futur et travailler pour le devenir, le développement de potentiel et l'impact global. Et quand on parle de développement de potentiel et l'impact global, ça veut dire que quand vous donnez à un enfant de 6 ans, par exemple, la possibilité de découvrir sa passion et de travailler pour réaliser sa passion et pour faire de sa passion une carrière académique, et faire de sa carrière académique une carrière professionnelle, vous avez donné à ce jeune la possibilité de dominer son monde. Et c'est exactement ce que Ali Global Youth cherche à faire en créant aussi, en suscitant aussi la compétitivité dans cet environnement, parce que finalement, à la fin de la journée, c'est un environnement qui met en concert, qui met en musique, bien évidemment, les jeunes qui viennent de partout dans le monde, des jeunes africains, des jeunes asiatiques, des jeunes européens, des jeunes américains. Imaginez-vous un peu à l'âge de 7 ans, vivre ce brassage interethnique, vivre ce brassage interculturel, vivre ce brassage interracial. Pour beaucoup ont vu le blanc pour la première fois quand ils sont partis de leur pays. Mais quand vous donnez à votre petit garçon de 7 ans la possibilité de côtoyer le blanc, de côtoyer sa façon de penser, finalement, ça fait qu'il voyage dans son esprit, qu'il sorte de lui et qu'il travaille pour être un compétiteur sur le plan international, sur le plan global, sur le plan mondial et ne pas être un local champion, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça suscite vraiment l'envie d'aller chercher quelque chose chez le jeune garçon. Et c'est exactement cette compétitivité, mais saine et très saine, que Ali Global Youth essaye de déployer. L'entrepreneuriat junior, justement, est-ce que ça vous passe souvent par la tête d'apprendre à votre enfant à être un entrepreneur? Oui, il y a l'entrepreneuriat junior. Il ne faut pas tout simplement apprendre aux enfants à être des fonctionnaires. Il faut également penser à laisser naître et laisser se développer chez l'enfant sa capacité à pouvoir entreprendre, sa capacité. Les enfants sont hyper ingénieux, mais seulement qu'ils ne se retrouvent pas très souvent dans un environnement conducif, dans un environnement capable de développer cet entrepreneur qui dort en eux, capable de développer
cet ingénieur qui sommeille en eux. Et donc, bien évidemment, qu'aujourd'hui, avec Ali Global Youth, on donne finalement la possibilité à la fin de la journée aux enfants d'être dans cet environnement de compétition, dans cet environnement compétitif qui va leur donner la possibilité de se déployer pleinement et déployer pleinement leur potentiel unique. Et parce que c'est très important aussi de rappeler que chaque enfant a un potentiel unique. Mais si on n'aide pas l'enfant à découvrir ce potentiel unique qu'il a, ça va être très compliqué. Donc, Ali Global Youth, justement, participe à l'éclosion, participe à aider les enfants, à aider les parents, à aider leurs enfants à développer en eux ce potentiel unique qu'ils ont, à travailler ce potentiel pour en faire un profil de carrière et bien évidemment un champion pour leur famille, un champion pour leur société, un champion pour leur pays et un champion pour le monde. Ça, c'était la version contribution de Ali Global dans l'amélioration du système éducatif sur le continent. Mais derrière cette volonté de Ali Global de participer à l'amélioration du système éducatif sur le continent, il y a Mon également micro était ouvert. et développement des affaires et du leadership sur le continent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ali Global n'a pas qu'envie de travailler dans l'amélioration du Non. système éducatif sur le continent, mais également au quotidien pour travailler et promouvoir le développement des affaires et du leadership sur le continent. Et ça se fait. J'ai pris tout à l'heure le cas de la contribution dans l'éducation avec deux écoles, Ali Global Training Center et Ali Global Youth. Maintenant, on va utiliser deux écoles également aussi pour vous montrer comment Ali Global se déploie dans le développement des affaires et surtout le développement du leadership sur le continent. On va d'abord parler de l'école des coachs. On se sert donc de l'école des coachs d'abord dans un sens pour l'aider, mais c'est quoi bien souvent envie d'appeler cette école une école d'élite. Une école d'élite parce que ça aide chaque être humain à se comprendre. Premièrement, ça aide chaque être humain à comprendre qui il est. Vous voyez, les gens ont souvent la difficulté à vous parler d'eux parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils représentent. On va vous demander quelle est votre personnalité dominante. Vous ne pouvez pas donner votre personnalité dominante. Quel est votre besoin dominant? Vous ne pouvez même pas donner votre besoin humain dominant. Quels sont les 6 besoins d'un être humain? Vous ne pouvez pas les donner parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Et quand vous ne vous connaissez pas, vous allez difficilement être en paix avec vous-même. Et quand vous ne vous comprenez pas, vous allez être en conflit avec vous, en conflit avec vos proches. Donc, à l'école des coachs de Ali Global, on apprend à l'homme à se connaître. Ce sont d'abord des enseignements. Donc, on apprend à l'homme à se connaître, à faire son plan, à travailler sur son plan de vie. Je pense que déjà dans le premier module, on donne la possibilité à chaque être humain de travailler sur son plan de vie, travailler sur un plan de vie de 20 ans. Votre plan de vie de 20 ans. Vous ne pouvez pas construire une maison si vous ne savez pas exactement quel genre de maison vous voulez. Et le parallèle, on peut rapidement le faire avec votre vie. Vous ne pouvez pas avoir une vie réussie quand vous ne savez même pas quel type de réussite vous voulez donner à votre vie. N'importe qui me dit aujourd'hui, je vais réussir. Mais quel type, comment tu vas réussir? Qu'est-ce que tu appelles réussite? Qu'est-ce que tu mets dans le schéma de ta réussite? C'est très important et je pense que ce sont des enseignements qu'on distille à la Ivy Global School of Coaching. C'est très important permettre aux gens de se comprendre, de comprendre qu'ils ont des pensées limitantes. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir, pas parce qu'elles sont feignantes, pas parce qu'elles sont décentes, mais tout simplement parce qu'on a des pensées limitantes finalement qui nous rattrapent, qui nous empêchent d'opérer à notre réel niveau. Et justement, c'est vraiment aujourd'hui le véritable combat de l'école des coachs de Ali Global, de permettre à chaque être humain de se connaître, de se comprendre, de découvrir ses talents, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, de se découvrir et réellement d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. En deux, on travaille les relations à l'école des coachs. Peu importe qui on est, ce qu'on est, si on ne connaît personne, on n'a rien finalement à la fin de la journée. Et l'école des coachs, qui est une école internationale, réunit justement beaucoup de personnes de qualité surtout pour permettre à chaque membre de cette école de travailler sur son épargne relationnelle. Et Dieu sait à quel niveau l'épargne relationnelle est hyper importante dans la construction de vie d'un être humain. De l'autre côté, il y a le côté stratégique parce qu'on apprend aux gens comment coacher des familles. Le cours qu'on est en train
train de suivre actuellement à l'école des coachs, c'est le cours sur comment coacher un couple. Donc, on apprend des stratégies de coaching, que ce soit le coaching familial, que ce soit le coaching de couple. En tout cas, le life intervention coaching dans sa généralité. On apprend également, c'est une école d'expertise parce qu'à la fin de la journée, vous sortez avec votre diplôme d'expert, justement, en coaching de vie. Bien évidemment, un diplôme, justement, qui n'est pas seulement remis comme ça. Ça se remet à l'occasion d'une grosse fête organisée, tambour battant, vraiment, du côté de Dallas, qui est le siège, qui abrite le siège social et mondial de Highly Global. Donc, ça permet également de voyager, ce qui renforce davantage le côté. Naturellement, les finances, parce que forcément, quand on est coach, espère, on gagne beaucoup d'argent dans les gens, dans la contribution, on se fait beaucoup d'argent, dans le côté finance n'est pas quand même mis au placard parce qu'avec ça, on gagne beaucoup d'argent. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est le leadership. Et j'étais en train de lire, je lisais un livre magnifique aujourd'hui, Le Leadership 365, 360 degrés de John C. Maxwell. Et il me faisait comprendre, et ça m'a tellement impressionné, que chacun à son niveau peut exercer son leadership. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un poste de responsabilité pour exercer son leadership. Chacun de nous est un leader et ton leadership se déploie à partir d'où tu te trouves. Donc vraiment, c'est une école, je pense que c'est une école recommandée pratiquement aujourd'hui à toutes les personnes qui veulent grandir aux responsables de famille, aux chefs de famille, bien évidemment, aux responsables religieux, à tous ceux qui sont responsables d'entreprise. Si vous ne travaillez pas votre côté leadership, votre entreprise, votre organisation, votre maison, rien de ce que vous entreprenez ne peut grandir plus que vous. Pour lui donner l'ossature et l'architecture que vous voulez, il faut absolument travailler sur vous pour donner à votre organisation, à votre entreprise, la taille que vous voulez. Quand je parle d'entreprise ici, je ne parle pas forcément de société, enfin, je ne parle pas d'entreprise qui génère seulement de l'argent, je parle de votre famille. Votre famille, c'est votre entreprise, votre église, c'est votre entreprise. En tout cas, tout ce que vous avez utilisé vos mains pour bâtir, il faut travailler sur votre côté leadership pour pouvoir permettre à ce dans quoi vous êtes investi réellement de croître. Et c'est vraiment le combat de l'école des coachs aujourd'hui en Afrique et surtout dans les pays noirs africains. Donc, c'est une école que naturellement je recommande à tout le monde. Si vous n'êtes pas à l'école des coachs, à la fin de la journée, vous n'êtes nulle part. Et après l'école des coachs, il y a l'école des affaires. C'est l'école de mon cœur. Généralement, on me dit ça parce que c'est une école qui apprend aux gens à faire les affaires. Aujourd'hui, on nous a appris, ça c'était à l'autre emploi sur le continent, on nous avait appris, on nous avait enseigné que la porte de sortie, mais sauf qu'à l'époque, personne ne nous avait enseigné comment auto-entreprendre. Et justement, beaucoup se sont lancés là-dedans. Ils ont perdu les économies qu'ils avaient. Beaucoup ont eu des AVC qui sont morts. Beaucoup ont été décimés par des chagrins après avoir perdu beaucoup d'argent dans les entreprises parce qu'ils ont lancé une affaire et ça n'a pas marché. Ils se sont donné la mort. Non, il ne faut pas succomber à cette triste fin. Il faut continuer. Tout ce qu'on peut faire, si on ne se forme pas, on n'arrivera à rien faire. Dans tout ce qu'on a envie de faire, si tu veux être un journaliste, il faut te former, il faut apprendre le journalisme. Sinon, tu vas te retrouver en prison parce que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et pas parce que tu ne savais pas ce qu'il fallait pas dire. Donc, si tu ne te formes pas, c'est très compliqué. Si tu veux être médecin, tu ne te formes pas à l'hôpital, c'est l'hécatombe. Tu vas tuer tous les jours. Pas parce que tu es méchant, parce que tu es sorcier, mais parce que tu ne sais pas comment faire les injections. Parce que tu n'as pas appris les injections. Si tu veux un avion et que tu ne te formes pas à piloter l'avion, eh ben, tu vas aller écraser les gens, pas parce que tu es méchant, parce que tu n'as pas appris à piloter un avion. Donc, c'est très important, peu importe ce qu'on veut faire, la même règle qui s'impose pour les professionnels dans chaque métier s'impose aussi pour les entrepreneurs. Si tu veux entreprendre, si tu veux lancer une entreprise, il faut apprendre. L'apprentissage est important. L'éducation est importante. Il faut aller apprendre. Et à l'école des gens, on apprend aux gens comment faire des business, comment identifier les opportunités d'affaires qui marchent, comment transformer des idées d'affaires en projets d'entreprise et comment transformer des projets d'entreprise en business, en start-up, en business et en business
qui réussit, un business qui réussit. Ce sont des formations hyper importantes. On apprend aux gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment identifier les opportunités d'affaires, mais pas que ça. On apprend aux gens comment travailler comment monter leur business plan. Pas que ça, on apprend aux gens comment s'entourer dans le monde des affaires parce que votre entourage immédiat dans le monde des affaires est très important et c'est ce qu'on enseigne à l'école des affaires. Donc, c'est une école hyper importante pour quiconque veut lancer une affaire. Ne vous lancez pas à l'aveuglette. N'allez pas vous jeter de votre avion sans parachute. Travaillez votre parachute et votre parachute, c'est votre formation. C'est ça qui vous permettra d'atterrir en vie et pas en morceaux. En dehors de ça également, Ali Global Training, Ali Global également, c'est également Ali Global Exchange qui est bien évidemment votre passerelle, qui est votre passerelle pour étudier et travailler à l'étranger. Ali Global Exchange s'engage donc à donner aux Africains une mobilité internationale. Donc, si vous avez besoin, si vous avez envie de voyager, si vous chérissez l'envie d'aller chercher des bevettes ailleurs, c'est plus la peine d'aller se tuer dans le désert du Sahara, d'aller s'offrir en holocauste comme ça dans les Caïmans, dans les eaux de la Méditerranée. C'est un scénario très, 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 très absurde. C'est un scénario extraordinairement inacceptable qu'on est en train de vivre. Et fort de ce constat, le master coach, bien évidemment, s'est dit qu'il n'était pas possible de laisser la jeunesse africaine aller se tuer dans les eaux de la Méditerranée, se tuer dans le désert du Sahara. Comme ça, il y a tellement de rapports qui nous renseignent à suffire que ce sont vraiment c'est du suicide. Et pour arrêter ça, on a mis sur pied Ali Global Exchange qui donne la possibilité à chaque Africain de voyager. Que ce soit pour des besoins d'études, bah, Ali Global Exchange vous donne la possibilité de voyager et aller étudier dans le pays de votre choix, de vos rêves, que ce soit pour les besoins de travail, si vous travaillez au Cameroun et que vous êtes fatigué de travailler à Douala parce que c'est la mer à boire, pas besoin d'aller se tuer dans les eaux de la Méditerranée. Rapprochez-vous bien évidemment de la Ali Global Exchange et à partir de là, on va trouver un bien meilleur emploi pour vous dans le pays qui vous convient et vous voyagerez sans amis proches. Ne vous tuez plus. Donc, c'est vraiment une solution idoine. Et si vous avez des amis qui chérissent, qui ambitionnent, allez travailler dans un autre pays, passez le mot à côté, ne laissez plus les gens aller se tuer comme ça. C'est malsain et c'est contre-productif pour l'histoire de l'humanité. Donc, c'est ça, Ali Global Exchange. Et on va sortir, bien évidemment, avec cette entreprise qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup, Dispensation Investment Group. Mais c'est quoi Dispensation Investment Group et que fait Dispensation Investment Group? Dispensation Investment Group est une agence immobilière qui vous aide à acquérir un bien immobilier aux États-Unis et naturellement, je ne vais pas dire à vil prix, mais à des prix quand même qui battent toute concurrence. Nous nous concentrons bien évidemment sur vos besoins spécifiques tout en vous aidant à sécuriser un investissement de taille aux États-Unis. Nous nous concentrons à 100% sur votre capacité à acheter et à investir dans des biens immobiliers aux États-Unis. Et cette attention portée aux détails permet bien évidemment de vous offrir ce qu'il y a de meilleur, une meilleure valeur pour votre budget. C'est un excellent moyen de diversifier bien évidemment votre portefeuille et de profiter d'une croissance économique solide et à nul autre pareil. Donc, avec Dispensation Investment Group, et c'est pour ça justement que je suis énormément impressionné parce qu'avec Dispensation Investment Group, le Master Coach et Ali Global, le Master Coach a quand même renversé l'ordre, la géostratégie, quoi. La géostratégie mondiale parce qu'on nous a dit que l'Afrique noire était mal partie, l'Afrique noire n'avait pas de repères, mais aujourd'hui, on a Dispensation qui donne la possibilité aux Africains sur le continent de pouvoir être propriétaires terriens dans le pays le plus riche, dans la première puissance économique au monde, le pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. On peut se dire que c'est une mince affaire. Mais en termes de géostratégie, c'est un message qu'on passe au monde. C'est pour dire que je peux vivre en Afrique et avoir un appartement aux États-Unis et investir dans l'immobilier aux États-Unis, être bailleur aux États-Unis et finalement que ceux qui sont aux États-Unis me payent le loyer, moi qui suis en Afrique. C'est hyper intéressant. On ne peut pas, faut pas, il faut quand même, à un moment donné, beaucoup sortir de soi pour se dire que, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ça, on peut être noir et on peut être propriétaire terrien, on peut avoir un domaine aux États-Unis, on peut être
Bayou, aux États-Unis, et ça, c'est l'objectif unique vraiment que nous offre Dispensation Investment Group. Et donc, voilà, pour ramasser quelques produits, on sort d'un webinaire où on a vraiment beaucoup entendu parler de ID Global, mais seulement il fallait réellement rentrer dans les méandres pour comprendre ce qu'est ID Global. Et je pense qu'avec cette présentation où on a parlé tour à tour de la ID Global Screening Center, qui est le centre de formation de ID Global, de la ID Global Youth, et qui est le centre de formation qui donne le leadership aux jeunes, de l'école des affaires, de l'école des coachs, de Dispensation Investment Group, de Ali Global Exchange, avoir cet aperçu général sur ce que Ali peut nous apporter en tant que membre de la communauté Ali. Je vais jamais me fatiguer de le dire, Ali Global, c'est un boulevard d'opportunités et qui offre à chaque être humain la possibilité de se développer, de se capaciter, de s'autonomiser et travailler pour autonomiser et pour capaciter les autres personnes. Et c'est dans cette mouvance qu'on va atteindre la barre de 2 milliards de leaders influencés d'ici 2040. C'est ce travail de moi à l'autre, de moi à l'autre, de moi à l'autre qui va faire que finalement on met le cap sur ces 2 milliards de personnes recherchées à l'horizon 2024. Donc si vous êtes ici connecté ce soir, vous faites bien d'y être. Vous êtes à ID Global. Vous êtes là où il faut pour pouvoir développer vos capacités. Si vous avez toujours une maille à partir avec vos envies de vous développer et de devenir la meilleure version de vous, ne vous en faites plus. Vous êtes où il faut. Tout simplement, faites ce qu'il y a à faire à partir de maintenant pour ne pas rater le train qui finalement a déjà démarré il y a quelques années. Et après ça, je vais vous dire merci de m'avoir écouté, merci d'être là et merci bien évidemment pour votre bien aimable attention. C'était donc ça, le projet iLead Global. Voilà, iLead Global dans son entièreté. Et bien évidemment, on va un tout petit peu revenir sur le Training Center de iLead, parce que c'est carrément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre de formation de iLead Global. Donc, si vous avez des connaissances et qui ont envie de diminuer leur environnement, qui ont envie d'apprendre un métier, de devenir un expert, de travailler, d'avoir un emploi décent aujourd'hui à partir d'où ils vivent, mettez-les en connexion avec Ali Global Exchange et vous serez en train de leur faire un bien énorme. Ils ne vous oublieront jamais. Si vous avez des enfants, des frères, des sœurs qui se sont formés dans les universités classiques et qui sont toujours au chômage depuis des années, qui ont même fini par oublier tout ce qu'ils avaient étudié à l'université. Ce n'est pas une fatalité. Le village ne vous veut rien du tout parce que vous êtes ici. Contactez ID Global Training Center. Les inscriptions ont déjà commencé dans nos centres de Yaoundé et Douala pour le moment. Envoyez vos dossiers et vous passerez les entretiens qu'il faut pour se rassurer que vous avez ce qu'il faut pour intégrer ce Training Center. Et à la sortie de ce Training Center, vous irez par vous-même raconter ce que vous aurez appris dans cet établissement extraordinaire. Parce que je m'emploie toujours à le dire et il va sortir, je vais chuter par là. Au Training Center, on donne l'occasion unique à chaque apprenant de faire de sa période d'apprentissage le meilleur moment de son existence. Donc, merci pour votre bien aimable attention. Et donc, forcément, si vous avez des questions, c'est le moment de prendre les questions avant de passer à la deuxième partie de cette édition, alors qu'il est exactement 20 h passées de 39 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, très cher coach connecté ce soir? Est-ce qu'il y a des questions sur la compréhension de ID Global? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre sur ID Global? C'est votre première fois d'écouter parler de ID Global. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez comprendre, des choses qui vous échappent? Bonsoir, bonsoir, cher Durand. Vous m'écoutez? Allô? Coach Allô, Serge? bonsoir, bonsoir. Ah, ok.
Je veux juste, c'est pas vraiment une question, mais j'ai tout le temps essayé de participer à ces meetings parce que j'ai entendu parler de Ali depuis fort longtemps. Je suis abonné dans toutes les pages, que ce soit Facebook, Telegram et un peu de partout avec le coach master Raphaël. Donc j'ai entendu parler, mais je n'avais pas cette clairvoyance que vous venez de faire, de présenter de façon très brillante et voilà donc. Là, j'ai très bien compris. Je n'ai effectivement pas de questions, mais juste que je suis ravi d'avoir eu cet éclaircissement. Donc, pour la suite, peut-être, pour ce qui m'intéresse personnellement, je vais me rapprocher de vous. Peut-être que je vous écris en off et puis voilà, on aura la suite de la question. Mais pour le moment, je suis nettement satisfait de la brillante exposition, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci bien à vous. Laissez votre numéro dans le chat. Je vais vous contacter. Oui, mon numéro, je laisse dans le chat, vous dites. Ok. OK, pas de Merci souci. beaucoup. Merci Je vais beaucoup. le faire. Merci Merci bien. beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, c'est Fopé, depuis Banga, Cameroun. OK. Comment vous allez Alors, ce soir à Bangui, mon cher? non, je vais bien, merci. OK, super. Bon, j'ai une préoccupation. Allons-y, s'il vous plaît. Oui, j'ai suivi les 3 jours de webinaire et j'ai vraiment apprécié. Maintenant, je suis intéressé par le côté coaching de Ailit. Et je suis fonctionnaire. Et je voudrais savoir si les cours se font uniquement en présentiel au centre de Douala ou au Yaoundé, ici au Cameroun, pour moi, parce que moi je parle du Cameroun parce que je suis au Cameroun, ou bien on va devoir, il y a des cours qui se font en ligne. Voilà ma préoccupation. Oh, ça, c'est une Et très belle, très belle ensuite, question. j'ai une deuxième préoccupation. Il y avait, pendant le webinaire, il y a un coach, je ne sais pas si c'est le coach Jenny, qui nous a offert, pour ceux qui étaient en ligne, une réduction sur les tarifs. Comment est-ce que vous entendez ou à quel moment est-ce que cela va entrer en jeu? Voilà mes préoccupations. Merci. OK, ça c'est une très belle question. Premièrement, la première question, est-ce que les cours se font uniquement en présentiel? Non, je dirais même que les cours se font exclusivement en ligne. Exclusivement en ligne. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ce soit l'école des coachs, que ce soit l'école des affaires, c'était des écoles internationales. Donc, finalement, ce sont des écoles internationales où on encourage énormément le e-learning. Donc, à partir de Banga, par exemple, vous pouvez suivre votre formation jusqu'à la fin et tout simplement payer votre billet d'avion pour aller aux États-Unis, rentrer en possession de votre parchemin de fin de formation. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller dans un centre physique, s'asseoir pour faire des cours. Non. Et on en a, il n'y a pas, il y a, il y a pas. Et justement, c'est parce qu'on a vraiment voulu déconcentrer ce phénomène qui demande qu'on se déplace toujours pour aller dans un endroit physique, s'asseoir dans une salle de classe pour faire cours. Non, c'est pratiquement en ligne aujourd'hui. Donc, à partir d'où vous êtes, vous pouvez faire beaucoup de coaching là-bas et finir votre formation là-bas et tout simplement vous déplacer pour aller prendre votre parchemin. Et même si vous voulez, vous pouvez rester à Banga et recevoir votre parchemin de fin de formation dans votre boîte mail et naturellement commencer votre carrière de coach et à partir d'où vous voulez. Donc vraiment, pour la formation, c'est flexible. Il y a une flexibilité extraordinaire et incroyable qui fait que finalement, il n'y a pas de contraintes. Ça, c'est pour la première question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la première question. Mais la deuxième question, c'est qu'en est-il de la promesse du Master Coach? C'est incessant parce que la prochaine rentrée, bien évidemment, c'est février, dans le mois prochain. Et à partir de février, toutes les personnes qui ont eu 2 mois de cours gratuits seront enregistrées et naturellement pourront commencer leur formation. Donc, si vous faites partie de ceux à qui on a promis ces 2 mois de formation gratuite, il faut tout simplement envoyer votre mail dans le chat room et on va rentrer en contact avec vous. Je vois qu'il y a une main, il y a deux mains, mais je vais prendre la main de Coach Christelle parce que ça peut être une contribution. Coach Christelle, allons-y, s'il vous plaît. Oui, coach Serge, bonsoir à tous les coachs et merci pour cette belle présentation.
sur les différents produits qu'offre Elite Global. Par rapport à la deuxième question du coach Fopé, je dirais qu'à partir à partir de mercredi, si vous avez déjà laissé vos coordonnées, c'est-à-dire votre email, on peut déjà vous enregistrer dans les sessions des mastermind de l'école des affaires pour tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Si on a vos détails, on va vous enregistrer pour des sessions des mastermind de l'école des affaires qui se tiennent tous les mercredis à partir de 21 h. Et aussi pour l'école des coachs tous les vendredis. Donc, ça commence cette semaine même. Donc, tous ceux qui ont laissé leurs détails, on pourra donc les enregistrer et leur envoyer leur lien par email. Donc, il suffit juste que mercredi, vous cliquez sur ce lien-là et vendredi, mercredi, c'est l'école des coachs et vendredi, c'est l'école des affaires. Donc, à partir de mercredi, vous pouvez déjà assister à la première session du mastermind de l'école des affaires. Et vendredi, c'est l'école des coachs. Ok, Merci. merci beaucoup. Okay. Je pense que mon très cher coach parce que vous êtes déjà coach, hein. Avant même d'entrer à l'école des coachs, vous êtes déjà coach. Donc, je vous appelle coach à partir d'aujourd'hui, officiellement, vous êtes coach. Merci. Super. Merci. Je suis satisfait. Ok, Largement super. satisfait. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Ok, il y avait le coach Emilien qui avait la main levée. Coach Emilien. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais avoir une idée claire sur la graduation aux États-Unis après la formation. Si vous avez votre billet, vous allez aux États-Unis. Ben, nous sommes censés savoir qu'il y a un problème au niveau des ambassades. Est-ce que Elite Global assure l'obtention du visa d'un individu pour aller aux États-Unis pour la cérémonie de graduation? Parce que vous pouvez avoir le billet, vous êtes étudiant finaliste, bon, vous voulez aller aux États-Unis pour cette session de graduation, mais maintenant, il se peut que vous puissiez aussi manquer le visa au niveau des ambassades. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une certitude que l'étudiant aura son visa pour assister à la graduation, à cette cérémonie, j'allais dire? Ouais, ça, c'est une très, très belle question. On n'est jamais sûr à 100% parce que les États-Unis, l'ambassade, c'est l'ambassade. Mais je vais laisser Coach Gladys répondre à cette question parce que c'est elle qui s'occupe de cette formalité. Coach Gladys, Denis, vous avez la main levée. Je vous en prie, ma chère coach. Allez-y. Ok, bonsoir, merci, merci, coach Serge. Sorry. Et merci également pour cette magnifique question, coach Emilia. Justement, concernant l'ambassade, nous avons une lettre que nous allons également vous avez votre invitation par rapport à la graduation et une lettre adressée à l'ambassade du pays où vous vous trouvez, signifiant que vous êtes un apprenant de Ali Global, vous avez fini votre formation. Cela ne garantit pas l'obtention du visa. On ne peut pas vous dire ça comme ça à 100%, mais il y a une lettre que Ali Global, que le master coach adresse à l'ambassade, au consulat de votre pays, à l'ambassade des États-Unis, de là où vous vous trouvez. Voilà, cela c'est juste pour favoriser l'obtention du visa pour votre voyage pour assister à la graduation. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup, coach Gladys. Coach Emilien, est-ce que vous êtes. Votre question, ça va? Oui, pour la question, ça va. À 100%. Merci beaucoup. Ok, merci Merci. beaucoup. Je suis très heureux que vous ayez réponse à votre question. Dans le chat, il y a une question de coach Coralie qui demande si finalement on peut suivre les cours gratuits depuis la Martinique, même si on est chez Max. À partir du moment où on a la connexion Internet, à partir où on a vous pouvez vous connecter à cette session. Donc, si depuis la Martinique, vous pouvez vous connecter sur cette session, coach Coralie, alors rassurez-vous, vous pouvez aussi vous connecter à toutes les formations qu'on offre.
À partir du moment où vous avez la connexion Internet, sauf s'il n'y a pas de connexion Internet dans la partie du monde où vous vous trouvez, sauf s'il n'y a pas d'ordinateur là-bas, sauf s'il n'y a pas de smartphone là-bas. Mais à partir du moment où vous avez un ordinateur portable, vous avez un smartphone, vous avez la connexion Internet, vous pouvez vous connecter en ligne, ça y est, c'est bon. Vous pouvez suivre toutes les formations que nous offrons. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Coach Coralie. Ok, j'imagine que oui. Pas de réponse. Bonne réponse. Ok, j'imagine que oui. Ok, super. Donc, s'il n'y a plus de questions, comme c'est peut-être le cas en ce moment, on va donc rapidement passer à la deuxième session de ce programme qui est donc le partage d'une loi de John C. Maxwell sur le travail en équipe. Est-ce que vous êtes un bon joueur d'équipe? C'est quoi déjà être un bon joueur d'équipe? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon joueur d'équipe? Et comment on fait pour avoir ces qualités-là, ces qualités d'un bon joueur, ces qualités qui sont susceptibles de faire de nous des bons joueurs d'équipe? L'ensemble de ces questions, on va les poser à Coach Thierry, qui va essayer de. Je ne sais pas comment il va faire pour répondre à toutes ces questions. Bah, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Coach Thierry. Bonsoir et bienvenue. J'ai l'honneur d'introduire Coach Thierry sur cette plateforme. Et c'est le monsieur expert des réseaux sociaux de iLead Global. J'aime sa façon d'être méticuleux, sa façon d'être précis, sa façon d'être concis, sa façon d'être déterminé, engagé dans ce qu'il fait, son abnégation, sa détermination, mais surtout la constance de ce qu'il fait. M'impressionne énormément et m'enseigne au quotidien. C'est avec honneur que j'introduis sur cette plateforme de partage pour le compte de la rencontre des entrepreneurs, enfin, pour le compte du lundi de la vision, l'édition de ce lundi 22 janvier 2024, Coach Thierry Akofana. Coach, bonsoir et bienvenue. Oui, conseil, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. Très bien, ce sera exagéré, mais on vous écoute quand même. Là. J'ai beaucoup de challenges de mon côté. Je ne sais pas si le son n'est pas bon ou bien Il il y a n'arrête, quelque chose d'autre. ton son n'arrête de faire craquer dans les oreilles. Là là. Je dois essayer de réparer ça. La qualité de la voix est magnifique, sauf que peut-être le son des écouteurs, peut-être. Oui, j'ai mis des écouteurs, je vais enlever. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah ben, c'est beaucoup mieux maintenant. OK, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que les autres coachs m'écoutent? En dehors de coach Serge, est-ce qu'un autre coach peut me dire s'il m'écoute? Oui, Il coach, peut faire un très bien. signe. Venez, coach. Donnons des cœurs au coach. J'écoute très bien, j'écoute très bien. OK, Donnons-lui des OK, cœurs pour lui dire qu'on OK. l'écoute. Donnons-lui des cœurs. Bien. Donnons-lui des cœurs pour lui dire qu'on l'écoute. Montrons-le. Merci beaucoup. Voilà, montrons-le. Merci beaucoup. Coach Serge, je ne sais pas, j'ai combien de minutes? Eh bien, vous avez 20 minutes, cher monsieur. Coach Serge, j'ai combien de minutes? Vous avez 20 minutes, cher monsieur. OK. OK. Donc, vous allez me pardonner, je suis en train de passer d'un téléphone à un autre pour ne pas. Ne pas perdre le. OK, merci beaucoup et bonsoir encore à tous les autres coachs. C'est toujours un réel plaisir, un honneur de participer au lundi de la vision. Et je vais ici aller dans la continuité de ce que mes collègues ont fait précédemment parce que je vais parler de la troisième qualité des 17 lois essentielles d'un joueur d'équipe. Donc, vous savez comme moi que chaque fois que l'on partage sur un sujet, en fait, c'est une autre façon de mieux comprendre encore. Donc, ce soir, je voudrais mieux comprendre encore ce que c'est que cette qualité de l'engagement dont nous parle John C. Maxwell.
Et lorsque j'ai rejoint iLead, cher coach, pour moi, j'ai pris John C. Maxwell comme mon grand-père. Mon grand-père, pourquoi? Parce que vous avez certainement écouté le Master Coach pendant le webinaire de la semaine dernière. Il vous a parlé de son histoire. Et puisque aujourd'hui, nous sommes comme des fils du Master Coach, donc John C. Maxwell qui l'a formé un peu comme notre père, notre grand-père. Et donc, c'est pourquoi tous ces ouvrages sont comme un testament, du moins de mon point de vue. Donc, c'est toujours des éléments essentiels que je médite et j'essaye d'appliquer afin d'avoir les mêmes résultats que notre master coach a pu avoir. En 2023, nous avons parcouru largement tout l'aspect d'une équipe, comment être une équipe, qu'est-ce qu'une équipe. Je suis certain que vous en souvenez encore. Et en ce moment-là, nous disions que ce soit en famille, que ce soit dans une équipe de 2-0, comme on dit chez nous ici au Cameroun, du dimanche matin, l'équipe de football du dimanche matin, ou que ce soit une organisation comme iLead, par exemple, ou toute autre entreprise, ou l'autre, ou l'entreprise que vous avez, vous, que ce soit les congrégations religieuses, les associations, tout cela représente des équipes. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous ici ce soir, nous faisons partie d'une équipe. Donc, nous ne pouvons pas ne pas prêter attention à ce qui sera dit ce soir ou à ce qui est dit généralement lors du lundi de la vision, parce que nous faisons tous partie d'une équipe. Lors du webinaire de la semaine dernière, j'ai personnellement compris que pour réussir, chacun de nous devait encore mieux comprendre l'équipe dans laquelle elle se trouve, afin de mieux jouer son rôle. Imaginez un peu un parent, un papa, ou alors une maman, qui ne joue pas son rôle au sein de l'équipe familiale. La famille sera déstabilisée si elle ne joue pas son rôle. Donc, c'est essentiel pour une réussite de l'équipe et même une réussite personnelle. Et puisque c'est la réussite de l'ensemble des entités qui fait la réussite collective au sein d'une équipe. John C. Maxwell, au début de cette présentation, nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit, il n'y a pas de champion sans enthousiasme. Vous ne pouvez pas être, en d'autres termes, vous ne pouvez pas être un champion tiède, en réalité. Il vous faut de l'engagement. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Mais cette qualité de l'engager, à qui profite-t-elle? À qui est-ce qu'elle peut profiter? En réalité, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dirigeant ou alors leader d'une société de MLM, du marketing de réseau, que vous soyez étudiant ou demandeur d'emploi ou à la recherche de l'emploi, cette qualité est essentielle pour vous. Quel que soit son rang social, son origine ethnique, sa race, son éducation, son pays d'origine, cette loi nous concerne tous. Et nous allons comprendre pourquoi dans la suite. John C. Maxwell nous dit que les gens ordinaires, comme vous et moi, naturellement, qui s'impliquent, peuvent avoir un impact extraordinaire sur le monde. Nous sommes certainement ici des personnes avec des histoires particulières, comme un peu celles que nous avons, de nos héros que nous avons suivis la semaine dernière. En réalité, c'était des gens ordinaires, mais qui ont pu réaliser des choses extraordinaires. Et je pense que quelque part, ils ont joué en équipe, ils ont su jouer en équipe, et ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, ils peuvent être des modèles pour nous. Alors, pour être un bon joueur d'équipe, il faut savoir prendre sa place au sein de l'équipe. Je vais beaucoup plus parler ici de l'équipe en termes de famille, mais vous pouvez rapporter naturellement cela à une organisation, à une entreprise. Mais je parlerai de famille pour qu'on comprenne encore mieux ce que je suis en train de dire. Alors, pour prendre sa place dans une équipe, il s'agit tout d'abord d'identifier ce à quoi nous croyons. Notre combat, notre big why. Une fois que nous avons identifié
notre big why, il nous sera plus facile de nous engager à atteindre nos objectifs. Donc, pour prendre sa place au sein de l'équipe, il faut identifier notre big why, nos croyances fortes. Et donc, cela permettra à ce que nous nous engageons dans l'atteinte de nos objectifs. Et là, que nous soyons en famille, que ce soit en équipe, que ce soit en entreprise, cela est essentiel. Lorsque, en tant qu'employé, je me retrouve dans une organisation, je dois pouvoir comprendre la vision. Et en ce moment-là, je trouve, n'est-ce pas, une intersection entre mes croyances et la vision de l'entreprise que je m'apprête à servir ou que je suis en train de servir. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque je suis employé à Hyatt Global, par exemple, j'identifie et j'essaie de comprendre la vision de Hyatt Global. J'ai des croyances, j'ai des convictions, j'ai des combats personnels. Et donc, j'essaie de trouver là où mes croyances et la vision de Hyatt Global se recoupent. Et en ce moment, je peux m'engager de tout mon cœur à servir donc au sein de l'équipe dans laquelle je me trouve. C'est la même chose en famille. Donc, ce que je suis en train de dire, nous pouvons aussi l'appliquer en famille. Par exemple, à l'école de business de Ali Global, dont Coach Serge venait de parler, le master coach nous enseigne que nous devons nous lancer dans une entreprise dans le but de résoudre un problème. Et que ce problème, en fait, sera notre combat, sera notre big why. Et nous allons, n'est-ce pas, nous engager à résoudre le problème via notre entreprise. Et donc, là, j'ai montré ici en tant qu'employé comment je peux trouver ma place au sein d'une équipe qui a été certainement créée, ou alors en tant qu'entrepreneur, comment je peux bâtir mon équipe et trouver mon big why et puis m'engager aussi à servir au sein de mon équipe. Un autre élément essentiel dont John C. Maxwell nous parle ici, c'est l'engagement des compétences dans le service de l'équipe. C'est fondamental. Une fois que nous sommes engagés à respecter notre big why, nous devons également engager nos compétences. Ce sont des compétences que nous avons acquises peut-être par une formation initiale ou alors par une formation alternative ou alors par une formation de maître à élève, par exemple. Donc, je ne parle pas ici forcément d'un cursus de licence, master et tout le reste, non. Toute compétence que j'ai acquise, quel que soit l'itinéraire, je dois pouvoir le mettre au service de l'équipe. Et donc, nous devons aussi mettre nos talents, nos dons, nos compétences en leadership. Et un point important que j'aimerais souligner ici, et à Highlight, c'est vraiment le point essentiel, c'est notre développement personnel. Notre développement personnel nous permettra d'aller encore plus loin dans l'optimisation de nos compétences et dans la multiplication de nos résultats. Dans les 15 lois de la croissance, John C. Maxwell nous dit que nous devons nous développer pour ceux qui nous entourent. Donc, si je suis au service de mon équipe et que je comprends que mes compétences doivent être engagées pour servir au sein de mon équipe, je dois pouvoir donc me développer dans le souci de mieux servir mon équipe. Je ne sais pas si vous voyez l'importance. Donc, chez nous à Highlight, le développement personnel est fondamental. Fondamental, parce que nous savons que lorsque un être humain se développe, il peut décupler, multiplier par 100, par 1000 les résultats qu'il peut avoir. Et donc, c'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, nous devons, n'est-ce pas, promouvoir le développement personnel au sein de notre équipe. D'ailleurs, le Master Coach dit souvent qu'il ne faut pas qu'il y ait un niveau de développement entre le dirigeant
et ses collaborateurs. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grande distance en termes de développement personnel. Alors, une fois que l'on a compris cela, il faut prendre sa place en définissant naturellement son grand pourquoi, ses compétences intrinsèques et surtout son développement personnel. Hein? Et pour cela, une fois que c'est fait, il nous faut donc un plan. Il nous faut donc un plan pour pouvoir mieux servir. Parce qu'en définissant le plan, nous allons comprendre en réalité qu'est-ce que nous allons faire à chaque fois au sein de cette équipe. Nous n'allons pas nous engager dans n'importe quel couloir au sein de cette équipe, mais nous allons cibler des endroits où notre plan nous envoie afin de rendre encore l'équipe plus productive. Regardez ici l'équipe comme la famille, l'organisation, l'association, quels que soient les niveaux où nous nous trouvons avec les autres pour poursuivre un but. Au sujet du développement personnel, souvent, on ne sait pas où commencer. Ça peut arriver. Et moi, en tant qu'élève dans ce domaine-là, j'ai eu aussi ces questionnements. Mais l'école des coachs, qui est pour moi, n'est-ce pas, une école de transformation personnelle, coach, j'en ai parlé tout à l'heure, est une école qui pourra vous permettre, n'est-ce pas, d'engager le processus de votre développement personnel et de vous améliorer au quotidien. C'est d'ailleurs une école que je vous recommande fortement. Alors, au sujet du plan d'action, vous savez, beaucoup, beaucoup de gens ont tendance à associer l'engagement à leurs émotions. Si je me sens bien, je tiens mes engagements. Si je ne me sens pas bien, je ne les tiens pas. Malheureusement, le véritable engagement ne fonctionne pas comme ça. Le véritable engagement n'est pas une émotion. Le véritable engagement est un trait de caractère. Et lorsque je lisais cette qualité, lorsque j'ai lu ça, c'était comme une sonnette d'alarme qu'on sonnait dans mon esprit. Que mon engagement au sein de l'équipe ne doit pas être fonction de ce que je me sens bien, je me sens bien ou si je ne me sens pas bien. Mais je dois développer l'engagement au sein de mon équipe comme un trait de caractère qui me permet d'atteindre mes objectifs et ceux, naturellement, de l'équipe. Nous savons tous que les émotions humaines vont et viennent, mais l'engagement doit être aussi solide qu'un roc. Et cela est très important. C'est très important. Dans la vie, il y a des engagements que nous devons prendre et nous tenir, quels que soient vents et marées, nous devons tenir, nous devons rester fermes. Je sais, j'en suis souvent victime, que les émotions, c'est quelque chose de très difficile. C'est très difficile à gérer. C'est très difficile à porter lorsque nous sommes submergés à un moment T. Mais je dois dire que grâce à, par exemple, pour moi personnellement, grâce à l'enseignement que j'ai reçu à l'école des coachs de Alice Global, j'ai progressé dans la gestion de mes émotions. Et j'ai pu voir mes relations, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit partout, j'ai pu voir ces environnements-là avoir un meilleur résultat autour de moi. Et donc, c'est très important la gestion des émotions. C'est d'ailleurs un module à l'école des coachs de Ali Global. Donc, avec une meilleure gestion de mes émotions, il y a un avant et il y a un après moi, naturellement. Alors, cher coach, si nous voulons une équipe solide, que ce soit dans notre entreprise, dans notre famille, nous devons devenir un joueur d'équipe qui s'engage pleinement dans l'équipe, celui dont l'engagement ne varie pas en fonction de ses émotions. En tant que joueur d'équipe, il y a quelques points que John C. Maxwell nous donne et nous dit que c'est important de savoir. Le premier point, c'est que l'engagement se découvre généralement dans l'adversité. Qui n'a pas déjà traversé l'adversité? Qui n'a pas déjà rencontré des difficultés? Il nous dit qu'on ne sait pas vraiment si on est engagé dans quelque chose tant qu'on n'est pas confronté à l'adversité. En réalité, les difficultés renforcent la détermination d'une personne.
Oui, dans ce cas, tant qu'on ne les a pas, on ne les a pas fuis, c'est à ce moment qu'elles peuvent renforcer notre détermination. L'adversité encourage l'engagement, nous dit John C. Maxwell. Et l'engagement encourage le travail. L'adversité encourage l'engagement et l'engagement encourage le travail. Et plus on travaille, moins on risque d'abandonner. C'est ce que John C. Maxwell nous dit. Il nous dit, plus vous travaillez dur, plus il est difficile d'abandonner. Les personnes engagées n'abandonnent pas facilement. Donc, si vous ne voulez pas abandonner, vous devez faire face à l'adversité. Vous ne devez pas fuir. Lorsque l'équipe rencontre des difficultés, vous ne devez pas abandonner l'équipe, mais vous devez vous battre avec l'équipe. En deuxième point, il nous dit, l'engagement ne dépend pas des dons ou des capacités. Lorsque nous connaissons des personnes talentueuses qui réussissent très bien, nous sommes parfois tentés de penser que l'engagement est plus facile pour elles en raison de leur talent. Nous avons l'impression qu'il est plus facile, par exemple, pour des sportifs de s'entraîner, pour les artistes de se perfectionner dans leur art, pour les hommes d'affaires de travailler sur leur entreprise. Mais ce n'est pas le cas. L'engagement et le talent ne sont pas liés, sauf si on les associe, nous dit John C. Maxwell. Et il nous dit encore que, il nous pose la question de savoir, est-ce que nous avons déjà rencontré des personnes très talentueuses qui ont gaspillé leur potentiel parce qu'elles ne voulaient rien faire? En fait, une personne, vous pouvez être très talentueux. Mais si vous ne voulez rien faire, vous allez gaspiller votre temps. Et il nous dit aussi, par contre, il y a des personnes moins douées, mais qui réussissent mieux. Et la conclusion, c'est que cela est souvent dû en partie à l'engagement. Ce sont des personnes qui ne lâchent pas. Ce sont des personnes qui continuent à avancer malgré l'adversité. Donc, John C. Maxwell nous dit que nous n'avons pas besoin de plus de force, plus de capacité ou de plus d'opportunités. Ce dont nous devons utiliser, c'est ce que nous avons. Je pense que c'est une affirmation qu'il faut que chacun de nous note. Je vais reprendre. Nous n'avons pas besoin de plus de force, de plus de capacité ou de plus d'opportunités. Ce que nous devons utiliser, c'est ce que nous avons. Donc, nous devons faire avec ce que nous avons pour atteindre les résultats que nous pouvons atteindre. L'idée, c'est d'être toujours en mouvement et au service de l'équipe avec laquelle nous travaillons. Alors, cher coach, si nous nous engageons à utiliser les talents que nous avons, nous découvrirons que nous avons plus de talents et nous avons beaucoup de dons et de talents à offrir à notre équipe. Et grâce à notre engagement, notre équipe pourra en profiter pleinement. Le troisième point que John C. Maxwell nous souligne, c'est que l'engagement est le résultat d'un choix. Nous devons choisir d'être engagés au sein de notre équipe. En tant que parents, nous devons nous engager, nous devons choisir de nous engager pour notre famille. En tant que, par exemple, politicien, nous devons choisir de nous engager pour le service de notre communauté, par exemple. Nous devons nous engager. Et le choix de l'engagement, moi, j'ai pu l'observer encore mieux la semaine dernière, lorsque nous avons, par exemple, suivi l'histoire du senior coach Guy Bertrand, du coach Kelvin, du coach Soulange. On a pu constater que, à un moment donné de leur vie, quelque chose a changé leur destin. Ils avaient fait le choix de ne pas de rester engagés à ce à quoi ils croyaient. Ils ont avancé. Et c'est pourquoi John C. Maxwell nous dit que beaucoup trop de gens pensent que les conditions déterminent les choix. Le plus souvent, ce sont les choix qui déterminent les conditions. Lorsque nous choisissons l'engagement, nous nous sommes donné la chance de réussir. L'engagement est le résultat
d'un choix, pas de condition. En quatrième point, il nous dit que l'engagement dure lorsqu'il est fondé sur des valeurs. Ce point-ci revient un peu à ce dont je parlais plus haut, en parlant, n'est-ce pas, de nos croyances, de nos convictions. C'est une chose de prendre un engagement dans l'instant, ça en est une autre de s'y tenir. Je pense que cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? De prendre un engagement et de ne pas le tenir. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais dans cette loi, John C. Maxwell nous montre un peu comment est-ce que nous pouvons faire pour rester engagés, pour tenir nos engagements. Il nous dit que la réponse se trouve dans ce sur quoi est fondé notre engagement. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette relation dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous travaillez là où vous travaillez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous cherchez cette relation que vous cherchez aujourd'hui? Cet engagement doit être fondé sur vos valeurs. Lorsque vous faites des choix fondés sur des valeurs solides, vous êtes mieux à même de maintenir votre niveau d'engagement. Car vous n'avez pas réévalué sans cesse leur importance. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, nous devons toujours nous poser cette question de savoir ce à quoi je m'engage à faire aujourd'hui, sur quelle de mes valeurs elle est basée, elle est fondée. Et donc, John C. Maxwell nous dit, chaque fois que vous faites des choix fondés sur de solides valeurs de vie, vous êtes mieux à même de maintenir votre niveau d'engagement. Alors, je souhaite qu'on réfléchisse un peu sur ce sujet, tous ensemble. Et je vais poser quelques questions. Naturellement, ce sont des questions que d'introspection, en fait. Ce sont pas, je ne m'attends pas à ce que chacun de nous puisse donner une réponse, mais c'est pour que nous puissions réfléchir chacun là où il est. Donc, la première question, c'est de savoir quelle importance accordez-vous à l'engagement? Lorsque vous avez donné votre parole, lorsque vous êtes engagé à faire quelque chose, quelle est l'importance que vous accordez à cela? Êtes-vous quelqu'un qui apprécie la loyauté et le suivi? Dans les moments difficiles, avez-vous tendance à rester sur vos positions ou avez-vous tendance à faire des compromis, voire à abandonner? Plus précisément, quel est votre degré d'engagement envers votre équipe, envers votre mariage, quel est votre niveau d'engagement, envers votre organisation, l'entreprise que vous avez créée, envers votre famille, vos amis et vos proches. Par exemple, votre engagement envers votre localité, pour ceux qui veulent travailler dans les localités décentralisées, quel est votre engagement pour votre village, par exemple. Je pense en Afrique, peut-être ailleurs dans d'autres pays, ça se passe pour les comités de développement des villages. Peut-être certains ont des engagements dans ce sens. Quel est votre degré d'engagement pour votre pays, pour ceux certainement qui veulent se lancer en politique? Votre soutien est-il solide? Votre dévouement est-il indéniable? Voilà un peu quelques questions que John C. Maxwell nous pose au sujet de l'engagement. Et voici ce qu'il nous dit. Si vous réévaluez votre intention de rester dans l'équipe chaque fois que vous et vos coéquipiers êtes confrontés à l'adversité, vous pouvez attendre à ce que les autres membres de l'équipe s'engagent eux aussi. Si vous réévaluez votre intention de rester dans l'équipe chaque fois que vous et vos coéquipiers êtes confrontés à l'adversité, vous devez peut-être revoir votre engagement. C'est très important. Est-ce que chaque fois qu'il y a de l'adversité, vous voulez vous défiler? Non. Dans ce cas, John C. Maxwell nous propose de revoir notre engagement. Et cet engagement doit être basé sur des valeurs, sur notre big why. Alors, comment améliorer son niveau d'engagement selon John C. Maxwell? Pour améliorer son niveau d'engagement, nous devons relier nos engagements à nos valeurs. C'est ce que nous dit John C. Maxwell. Parce que nos valeurs et notre capacité à respecter nos engagements sont étroitement liées. Il nous dit de prendre le temps de réfléchir à nos valeurs et à nos engagements.
Il nous propose de commencer à dresser la liste de nos engagements personnels et professionnels. C'est un exercice. Il nous conduit dans un exercice. Essayez ensuite de formuler vos valeurs fondamentales. Naturellement, il nous dit que cela prendra du temps, mais il faut qu'on le fasse. Une fois que nous avons établi ces deux listes, nous devons les comparer. Et si nous constatons que probablement, nous avons des engagements qui ne sont pas liés à nos valeurs, nous devons les réévaluer. Donc, à ce niveau de ma présentation, s'il y a quelque chose que nous devons retenir, cher coach, c'est que nos engagements doivent être liés à nos valeurs, ce à quoi nous croyons. Ne prenons plus des engagements qui ne sont pas liés à nos valeurs. Cela va nous conduire à nous désengager à la fin. Donc, John C. Maxwell nous dit que nous allons donc découvrir en faisant ces deux listes que, d'une part, nous avons des valeurs qui ne correspondent, nous avons des engagements qui ne correspondent pas à nos valeurs, ou alors nous avons des valeurs qui, effectivement, correspondent à nos engagements, et dans ce cas, nous devons nous engager à les respecter. Et John C. Maxwell nous dit que le chemin que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas un chemin sans risque. Il nous dit que s'engager comporte des risques. Nous pouvons échouer dans cet engagement. Nos coéquipiers peuvent nous décevoir. Nous pouvons constater que la réalisation de nos objectifs ne nous donne pas des résultats escomptés. Mais il nous conseille de prendre quand même des risques. Il nous dit que personne n'a jamais donné le meilleur de lui-même sans le regretter. Et donc, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez pris un engagement, que vous ne l'ayez pas pris, il y aura du regret quelque part, parce que vous allez rencontrer de l'adversité. Mais il nous dit de prendre ce risque. Il nous propose aussi d'évaluer l'engagement de nos coéquipiers aussi avant de nous engager avec eux. Donc, c'est un élément essentiel aussi, évaluer l'engagement de ceux qui sont en face de nous, parce que nous allons devoir marcher avec eux au quotidien. Et pour finir, je suis à la fin. John C. Maxwell nous dit que l'engagement quotidien c'est le chemin. Le véritable engagement est une tâche quotidienne. Nous devons au quotidien nous engager, parce que nous allons connaître certainement des moments de faiblesse, mais nous devons nous dire que chaque jour, nous devons nous engager à travailler pour l'équipe, pour les résultats de l'équipe avec laquelle nous sommes engagés. Et nous ne devons pas chercher des portes de sortie à chaque fois qu'il y a des difficultés. Nous devons y rester. Nous devons travailler à aller au-dessus de ces difficultés. Et il nous dit de ne pas oublier qu'il n'y a pas de champion sans enthousiasme. Nous devons être vraiment motivés au quotidien et c'est alors que nous aurons des résultats. Souvenez-vous, cher coach, engagement plus valeur, c'est ce qui nous permettra de durer dans le temps et de voir nos engagements pris envers quelqu'un, envers une organisation, être respectés et avoir le plaisir de voir les résultats que cela aura produit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi qui suis un étudiant de tout cela, de toutes ces vérités, je vous remercie et je voudrais dire merci beaucoup à iLead parce que en préparant cette présentation, j'avais appris, mais en partageant encore cette présentation avec vous, j'ai encore appris. Je me rappelle d'une coach qui dit souvent que si je partage avec vous une idée et que vous partagez avec moi une idée, chacun de nous en ressort avec deux idées. Donc, j'ai partagé avec vous l'idée que j'avais de l'engagement. J'attends à ce que vous partagez avec moi l'idée aussi que vous faites de l'engagement, afin que j'en sorte aussi avec une autre idée de l'engagement. Merci beaucoup et je vais repasser la parole à Coach Serge. Merci beaucoup, Coach Serge. Des cœurs pour le coach Thierry. Il finit sa formation. Coach Thierry, tu dis que tu es étudiant. Ta formation finit ce mois, c'est ça?
Au sein de quelle école? L'école des coachs? L'école des coachs, oui. Oh, oui, en théorie, hein, en théorie, mais je vais continuer. Je vais continuer, je pense que je n'ai pas tout appréhendé. Je pense que je n'ai pas tout appréhendé. Il sera officiellement coach en intervention de vie. Thierry Cofana, coach en intervention de vie. Quelle magnifique présentation. Yes. Ouais, super. Extraordinaire. Donnons des cœurs pour ça. Donnons des cœurs pour ça. Très belle présentation, coach Thierry. Très, 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 très belle présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des partages? Il faut qu'on rentre vraiment dans les partages parce que quand on donne une idée, il faut recevoir une idée, une autre idée. On est venu avec une idée, il faut rentrer avec deux idées. John C. Maxwell disait justement que si j'ai une idée et que je discute de mon idée avec quatre personnes, je rentre chez moi avec cinq idées. Voilà. Donc, Koshieri a partagé son idée sur l'engagement avec 26 personnes, presque une trentaine de personnes. Il faut qu'il rentre avec au minimum 35 idées. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, très cher coach, à la suite de l'engagement, qui est un caractère qu'un joueur d'équipe devrait avoir pour être un bon joueur d'équipe? Et il y a quelque chose qui m'a impressionné quand Thierry parlait. Il parlait justement il faut aller au-delà de des émotions. Ce n'est pas quand on est content qu'on doit être productif. Je ne suis forcément pas content. La Côte d'Ivoire vient de perdre 4-0. Je ne suis pas content. J'ai mal pour coach. Pour mon ami coach, Daniel, j'ai mal pour elle, mon cœur saigne. Mais mes émotions ne comptent pas, il faut taffer. Donc, quand on est dans une équipe, on supplante ses émotions, on supplante ses sentiments pour être productif. Et ça, c'est la loi de l'engagement. J'ai beaucoup aimé ça, coach Thierry. Oui, coach Victoire, allons-y, s'il vous plaît. Ok, bonsoir encore à tous les coachs. Est-ce qu'on m'écoute? Très bien. D'accord. Bonsoir encore. Vraiment, merci à Coach Thierry pour le partage. Excellent partage. J'en ressors avec beaucoup de valeur. Et pendant que je pensais, en tout cas pendant que le coach intervenait, je me suis posé une question. La question de savoir comment, à notre niveau, bon, estimant qu'une personne dans un groupe, ou alors oui, tu es dans un groupe, toi, par le fait que tu as mis la loi de l'engagement en pratique, tu es engagé. Comment communiquer cet engagement-là? Ça, c'est vraiment, je pense que je veux vraiment savoir ça, coach chérie. Comment, dans une équipe, il y a des personnes qui ne sont pas engagées. Moi, je suis une personne engagée. Comment je peux faire pour communiquer cet engagement-là à d'autres personnes qui ne sont pas engagées? C'est ma question, coach chérie. Postieri. OK. Oui, coach Serge. D'accord. Il y a un des points dont John C. Maxwell a parlé, il nous a dit d'évaluer l'engagement de nos coéquipiers. Il nous a dit d'évaluer l'engagement de nos coéquipiers. C'est très important. Je pense que c'est de ce point dont coach Victoire parle. Alors, qu'est-ce que John C. Maxwell nous dit? Il nous dit: si vous avez du mal à vous engager dans des relations particulières et que vous n'en trouvez pas la raison en vous-même, considérez ceci. Vous ne pouvez pas vous engager avec des personnes non engagées et vous attendre à recevoir un engagement de leur part. Examinez la relation pour voir si vous êtes réticent parce que le destinataire potentiel n'est pas digne de confiance. Je reprends. Examinez la relation pour voir si vous êtes réticent parce que le destinataire potentiel n'est pas digne de confiance. Personne n'a jamais donné le meilleur de lui-même et ne l'a jamais regretté. C'est une affirmation que John C. Maxwell donne. Et ça me rappelle un peu de ce que le master coach dit souvent. Il dit, quand il rencontre une personne, il fait confiance à la personne et il se pose la question de savoir: qu'est-ce que lui, il peut apporter à cette personne? Je pense que là, c'est encore un autre niveau. Parce que il ne regarde pas ce que toi, tu vas lui apporter, mais il s'est dit, OK, moi, je vais t'apporter de la valeur et tu comprendras là où je suis en train de vouloir t'amener. Et après, tu pourras aussi devenir cette personne pour les autres. Et c'est pourquoi John C. Maxwell nous dit, vous devez vous
examiner la relation. Est-ce que vous êtes réticent parce que le destinataire n'est pas digne de confiance? Mais s'il est digne de confiance, donnez ce que vous avez à donner à cette personne. Et à l'école des coachs, il y a une formation. Il y a un jour, le senior coach parlait des niveaux de relation, je crois. C'était ça, je pense. Alors, il disait que le meilleur niveau, le niveau vraiment extrême, c'est de donner sans attendre en retour. Et je pense que Dieu m'aide, que j'arrive à ce niveau véritablement. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, coach Oui, Victoire. oui, oui, oui. C'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Si vous êtes capable de donner sans attendre en retour, donner. Parce que, comme dit John C. Maxwell, vous avez trouvé la personne digne de confiance de recevoir ce que vous avez à donner. Donner sans attendre en retour. Mais si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions. Parce que, quel que soit que vous vous engagez avec cette personne ou pas, vous aurez des regrets. Mais tout dépend de vos valeurs. Merci beaucoup, Coach Thierry. Je pense que ça, c'est une très, très belle question parce que le côté engagement en entreprise, c'est un côté hyper compliqué. On peut être engagé, mais comment on fait pour communiquer son engagement aux autres? Ah Et oui. Ouais. Coach Thierry a parlé tout à l'heure de la capacité à donner sans attendre. Quand je suis Ouais. dans une équipe et que... Tu dois communiquer mon amour, je dois communiquer mon engagement, le sens de mon engagement aux autres. Il faut aimer les autres pour comprendre ce qu'ils sont. Et il y a des gens qui ont besoin que je leur dise, hey les gars, c'est bon, on va le faire, on peut le faire. Et il y a des gars qui ont tout simplement besoin de me voir taffer enfin, chaque jour, 24 heures sur 24. Et du coup, ils vont prendre la main. Donc, chaque personne a sa personnalité. Et quand tu travailles avec une équipe, l'amour que tu as pour ton équipe fait que tu connais chaque membre de ton équipe et derrière, tu sais comment tu communiques ton engagement à chaque membre de ton équipe. Parce que la personne qui a besoin de « Hey, lève-toi, on peut le faire, on peut le faire. » Et il y a des gens qui ont besoin de ça pour être engagés, pour davantage s'engager. Il y en a qui ont besoin de te faire travailler plus pour s'engager. Donc, il y en a qui ont envie que tu ailles un peu loin parce que forcément, il y a des gens qui ne supportent pas que tu sois la même personne à faire tout à chaque moment. Donc, quand tu fais tout, du coup, ils vont se dire, OK, comment je fais pour te suivre dans ce rythme-là? Donc, il y a diverses manières de communiquer son engagement aux gens, son niveau d'engagement aux autres, mais le tout, Je crois bien. Thierry a dit, le tout réside au niveau de l'amour, à quel point tu aimes les autres, pour pouvoir communiquer ton engagement. Comme un footballeur, par exemple, tu communiques ton engagement aux autres, on est mené 4-0, et du coup, tu prends le ballon, tu marques le premier but, tu marques le deuxième but, et du coup, les gars, ils comprennent que c'est possible, on peut le faire. Et du coup, aussi, ils deviennent engagés. Tu viens de communiquer ton engagement par la prise de tes responsabilités. Donc, je pense qu'à chaque niveau, il faut toujours avoir ce réflexe, et exactement comme... John C. Maxwell le dit dans le leadership 360 degrés, de prendre ses responsabilités à partir d'où tu es, prendre tes responsabilités et communiquer ton énergie aux autres. Et du coup, ça va participer à motiver les autres. C'était une très, très belle question, une magnifique aussi réponse de Coach Thierry. Merci beaucoup. Oui, la main est levée, coach, allons-y. Allô, allons-y, s'il vous plaît, coach Wahib. Question ou contribution? Ah, il est sorti ou pas? Sa main est levée, mais pourtant il ne dit rien. Ok, de toute façon, on est levé. Allô, allô, je suis là, je suis là. Ok, Je suis là, allons-y. excusez-moi, problème de connexion et de bugs et tout ça. Donc, j'avais deux questions. Deux questions. J'ai suivi exactement le coach. C'est coach, comment on l'appelle? Ça m'échappe un peu. Bon, ben, la coach Thierry, voilà, merci. Donc, la première question était de savoir, généralement, quand on parle d'engagement, on parle également je veux dire, on sous-entend un peu la motivation également. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui fait la différence entre l'engagement et la motivation. Bon, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, je veux savoir, hein, vous savez, les sciences humaines ou sociales sont assez
est compliqué. Par exemple, je veux savoir, quelqu'un qui souffre de procrastination, peut-il être engagé, par exemple? Donc, ça, c'est ma deuxième question. Je vais réagir après Costieri. Costieri, allons-y d'abord avant que je ne réagisse. Merci. Merci, coach. Ok, je pense que Costieri a les défis de connexion. Je vais aller rapidement avant qu'on ne sorte parce qu'on est déjà allé au-delà du temps imparti. Je vais parler de la motivation et de l'engagement. La procrastination. Celui qui procrastine, de quoi il souffre? Ok, Costieri est revenu. D'abord, Costieri avant que je ne réagisse. Costieri, allons-y, s'il vous plaît. Oui. Oui, coach Serge, merci beaucoup. J'ai suivi la première question de coach. J'ai pas vu son nom. Coach. OK, coach, je n'ai pas vu votre nom. J'aurais aimé vous appeler par votre nom. Mais la question, c'était de savoir quelle est la différence qu'on fait entre la motivation et puis Et l'engagement. l'engagement. Oui, dans ma présentation, je disais tout à l'heure que John C. Maxwell nous dit que l'engagement est un trait de caractère qui n'est pas forcément inné, parce que nous devons arriver à le travailler pour qu'il devienne comme un peu une attitude, quelque chose que nous avons en nous. Voyons-le comme un trait de caractère que nous devons développer naturellement, qui ne dépend pas des émotions et tout le reste. Maintenant, je vais rester un peu dans ma présentation pour mieux pour faire comprendre maintenant la différence avec la motivation. Lorsque, par exemple, vous avez identifié vous avez identifié ce à quoi vous vous engagez, vous avez identifié, n'est-ce pas, votre big why, vous avez identifier ce à quoi vous vous engagez par rapport à vos valeurs. Vous avez mis ces deux, vous avez pesé ces deux choses-là. Et maintenant, ce qui vous fera tenir au quotidien votre engagement, c'est la motivation. Donc, l'élément motivation vient un peu comme quelque chose qui va vous pousser au quotidien pour respecter votre engagement. Donc, c'est ce que je peux apporter comme élément de réponse. Je n'ai pas bien suivi, j'ai pas suivi la précédente question, la deuxième question, pardon, parce La que deuxième question, il je demandait m'étais. si celui qui procrastine souffre de manque d'engagement ou manque de motivation. Oui, la procrastination, ici, on comprend cela comme le fait de remettre les choses à demain. Donc, de ce que je viens de dire, je pense que la procrastination rentre un peu beaucoup plus dans la motivation. Parce que l'engagement, véritablement, c'est comme à l'issue, c'est comme en fait une décision qu'on prend à l'issue d'une réflexion mûrie. On dit, OK, je m'engage avec cette compagne pour la vie. Mais qu'est-ce qui vous fait garder votre engagement? C'est la motivation. Qu'est-ce qui vous fait, par exemple, au sein de de votre foyer, faire des choses quand elles doivent être faites. Essayez de ne pas les repousser à demain parce que peut-être elles peuvent porter préjudice, n'est-ce pas, à la vie en famille. Je pense que la procrastination rentre un peu beaucoup plus dans le cadre de la motivation. Du moins, c'est cette idée que j'ai et puis les autres pourront, n'est-ce pas, compléter. Super. Merci beaucoup, Costieri. Je pense que c'est une très belle question et une très belle réponse aussi de Costieri. Faisons un peu le parallèle entre un véhicule et l'essence. Si on dit que l'engagement, c'est le véhicule qui marche, la motivation, c'est l'essence qui permet au véhicule de marcher. Donc, forcément, la motivation précède l'engagement. Donc, on est motivé et on passe à l'engagement. Et on s'engage. Quand on est motivé. Quand je tirais par tout à l'heure de la campagne, on est assez motivé, les émotions montent et voilà, on passe à l'action. Mais ce qui fait qu'on reste dans l'action, qu'on continue d'avancer, c'est la motivation. Il faut toujours trouver le moyen de se motiver. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont participé au webinaire, qui sont sorties du webinaire avec les émotions ici. Ils se sont dit, waouh, enfin, j'ai jamais entendu comme ça, des gens parler comme ça. Est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça dans la vie? Est-ce qu'on peut partir de 0 franc à des milliards de dollars? La motivation est ici. Mais ce qui manque, c'est l'engagement. Il faut s'engager. Et s'engager, c'est prendre une action, c'est prendre une décision.
Maintenant, ce qui fait que tu continues de prendre la décision, d'abord, ce qui t'aide à prendre la décision, c'est la motivation. C'est qu'il faut que la motivation soit suffisante. Maintenant, quand tu es assez motivé, tu passes à l'action. Quand tu passes à l'action, pour rester dans l'action, il faut que tu continues d'être motivé. Donc, c'est vraiment l'analogie entre l'essence et le véhicule, quoi. Il faut passer. Et forcément, procrastiner, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à prendre la décision. Non, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. C'est le fruit du. On n'est pas assez motivé, donc forcément, on ne s'engage pas. Donc, c'est un peu la résultante des deux. On n'est pas assez motivé, on procrastine parce que vraiment la motivation n'est pas à son pic. Il y en a qui voulaient participer à ce webinaire aujourd'hui. Ils n'ont pas eu assez de motivation, mais ils voulaient, ils se disent, OK, lundi prochain, je vais le faire. Parce qu'ils n'ont pas assez, ils n'ont pas été assez motivés. Donc, il faut toujours trouver les éléments pour se motiver. Maintenant, la question, c'est comment on se motive? Comment on fait pour rester motivé? D'abord, comment on fait pour trouver la motivation nécessaire qu'il faut pour commencer? Parce qu'il y a une phrase que Denzel Washington a dit qui m'a tellement impressionné. Et c'est vraiment, quand je me réveille chaque matin, je pense à ça. Il a dit, il faut la motivation pour s'engager, mais il faut la constance pour finir. Les enfants. Ouais. Tu as besoin de la motivation, tu as besoin de l'engagement, d'être suffisamment motivé pour t'engager, pour commencer. Mais quand tu as commencé, il te faut de la constance. Donc, il faut avoir la motivation nécessaire, la motivation qu'il faut pour continuer dans la constance, pour répéter les mêmes actions et finir. Parce que ce n'est pas seulement commencer qui est important, c'est surtout finir qui est la chose la plus importante. So you need commitment to start, but you need consistency to finish. Donc c'est très important. Mais donc, comment on fait pour trouver cette motivation qu'il faut pour commencer? Et comment on fait pour trouver cette motivation qu'il faut pour rester dans la constance? C'est très intéressant, cette question. Donc, finalement, on est arrivé à la fin de cette session. Avec quelques minutes de retard, on est pratiquement à 21h42, alors qu'on devrait s'arrêter à 21h40, à 21h30. Ce n'est pas bien grave. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Pour les coachs qui ont demandé la rediffusion, veuillez laisser votre email. Laissez votre email dans le chat room et naturellement, on va vous faire parvenir les enregistrements, enfin, le replay de cette séance. Oui, coach Hortense, est-ce que vous avez à nous dire? OK. Donc, merci à tous et passez une excellente soirée. Profitez bien de vôtre et prenez bien soin de vous. Trouvez l'énergie qu'il faut pour rester motivé, parce que sans motivation, il n'y a pas de résultat. Rien de bien grand ne s'est construit dans ce monde sans passion. Trouvez toujours d'être passionné, d'être motivé et d'être captivé par le résultat que vous voulez atteindre. Visionnez ce résultat chaque jour et voyez le nouveau vous que vous voulez devenir chaque jour. Ça vous motivera assez pour aller devenir cette personne. C'était un plaisir de vous servir ce soir et ce sera avec le même plaisir que je serai là dimanche. Lundi prochain, si vous voulez, une autre session du lundi de la vision et la rencontre des entrepreneurs le dimanche. Portez-vous bien, profitez bien des autres, profitez bien des vôtres et bien évidemment, bien de choses à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. énormément, coach. Bonne soirée à vous également. Merci. Merci énormément. Bonne soirée à tous. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci.